Bref, on va pas s'éterniser sur ça. Donc, augmente la portée et la vitesse. Donc, on augmente la portée du pic de glace. Donc, éclair de givre. Donc, on augmente la portée. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir une longue portée. Donc, une longue portée, on a besoin d'une longue précision et d'un long timing pour être bien dans le bon timing. Donc, on va faire une game. On va voir. Donc, on fait ça. Après, armure de givre. Alors, éclair de givre. Alors, attends. Voilà, éclair de givre. Le 1 ici. Augmente la portée et la vitesse de déplacement d'éclair de givre de 30%. La portée et la vitesse de déplacement d'éclair de givre. Ah ouais, c'est un délire ça. Ah, c'est-à-dire que oui, en fait, l'éclair il va plus vite en plus de ça. J'ai jamais bien fait gaffe. Non seulement il y a plus de portée, mais en plus il va plus vite. Ok. Donc après, c'est armure de givre. Glace les ennemis qui attaquent Jaina. Donc ça va lui donner de la survie supplémentaire, sachant que Jaina est déjà de base très très fragile, mais c'est quand même un match de glace, donc elle a quand même de la survie de glace. Donc faut l'utiliser, la survie de glace. Ça, c'en est une. Glace tous les ennemis qui attaquent Jaina, donc c'est au cac ou même à distance, je crois. Hein, ouais. En outre, toutes les 10 secondes, confère 75 points d'armure physique contre la prochaine attaque de base d'un héros. Ce qui réduit les dégâts qu'elle inflige de 75%. Donc c'est vraiment... Ça va canaliser un peu le burst que vous allez recevoir. Surtout en auto-attaque. Après, javelot de glace. Frapper une cible glacée avec éclair de givre. Réduit son temps de recharge de 1,1 seconde. Et rend 10 points de mana à Jaina. Ah ouais, en plus ça rend de la mana. J'ai jamais trop fait gaffe. Ok, c'est un délire. Donc en fait, le truc, c'est toutes les 4 secondes. Et là... Vous voyez, là, éclair de givre toutes les 4 secondes, temps de recharge, 184 points de dégâts. Et là, réduit de 1,5 secondes, ça veut dire qu'on passe de 4 secondes à 2 secondes et demie. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut le mettre constamment, quoi. 2 secondes et demie, en fait, le mec, il a pas le temps de back. Parce qu'en fait, il est gelé pendant... Ici, là, c'est écrit pendant 4 secondes. En fait... Alors que si tu t'as pas ça, je pense que tu peux geler constamment, mais par contre, tu le tiens pas comme ça, hein. Tu le tiens pas comme ça en aggro. Alors que là, avec la portée, tu peux le tenir en aggro, vraiment, tu le tiens en aggro constamment. Et donc, armure de givre et javelot de glace, là, tu le tiens vraiment en aggro constamment, les gars. Tu peux pas s'enfuir. Tant que tu touches avec ton pic, le gars, il est constamment ralenti. Après, élémentaire d'eau. Avant qu'un élémentaire d'eau à l'emplacement ciblé, ses attaques de base. Ouais, à l'emplacement ciblé, donc ça c'est important parce que des fois, par exemple, l'ennemi va être en avant. Et dès que tu vas arriver pour open la fight, tu vas poser ton élémental en fait. Et la fight, elle va commencer en fait. C'est-à-dire comment tu vas placer ton élémental, c'est important quand même. Donc voilà. Petite parenthèse. Ses attaques de base infligent 62 points de dégâts, plus 25% en dégâts de zone. Et glace leur cible. C'est ouf, hein, quand même. Peut être réactivé pour raciner une nouvelle cible. À l'élémentaire 2. Ouais, donc faut pas hésiter à hit and run des fois avec l'élémental. Il y a des fois où faut envoyer l'élémental, faut le faire reculer, y retourner, faut bait, hein, essayer de bait des fois même avec l'élémental. Faut bien gérer son élémental. Des fois, c'est même bien de laisser Jaina presque immobile et des fois de gérer que l'élémental. Ça peut arriver dans certains cas que quand ça va trop vite, t'as pas le temps. Dans certains cas, c'est rare. Donc barrière de glace gagne un bouclier équivalent à 25% des dégâts de capacité infligés aux cibles glacées. Donc un bouclier équivalent à 25% des dégâts de capacité. Ah ouais. Dure 4 secondes, ouais. Donc je sais pas si c'est en fonction des dégâts que tu vas rentrer, tu auras de plus en plus de boucliers, je crois que c'est ça. 25% des dégâts de capacité infligée aussi glace. Je suis pas sûr, mais bon. En tout cas, c'est bien vénère ça, gars. Parce que la barrière de glace et l'armure de chiffre, c'est pas pareil, mais enfin, en réalité, ça ressemble quand même beaucoup. Sauf que ça, c'est constant. Dès que tu fais du dégât, en fait, ça te met une barre de glace, je crois, c'est ça. Tout ce qui est glacé, qui prend des dégâts, tu reçois 25% en shit, je crois que c'est ça. Enfin bon,
En tout cas, c'est bien vénère, ça donne de la survie en plus et tout. Pas besoin d'augmenter les dégâts et tout. On va pas du tout jouer les dégâts, on va jouer vraiment la survie de Jaina. Sachant qu'elle a déjà peu de survie. Un gros fardeau sur le dos parce qu'elle est responsable des fois de tout. Si tout le monde meurt, c'est souvent la faute de Jaina. Si elle loupe un spell ou quoi, des fois ça peut partir en couille. Donc, cône de froid immobilise, ou si elle est mal défendue aussi. Cône de froid immobilise les cibles glacées pendant une seconde. Donc, le gars, il est. Après, c'est qu'une seconde, mais. Mais franchement, c'est trop bien quoi. Le gars, il s'arrête net, même si c'est Lucio, n'importe qui. Si le gars, il a beaucoup de mobilité, quoi que ce soit. Le gars, il est complètement roots quoi. Pendant. C'est qu'une seconde, mais. C'est quand même pas mal. C'est quand même très bien. Ouais. Moi, je conseille vraiment ça. Hein. Parce que ça va permettre de faire des combos. C'est basé. De toute façon, si tu domines, à partir du moment où tu vas jouer, dès que tu vas être un peu dans la domination et tout, ça va vraiment. Ça va suffire quoi, l'engourdissement. Et des fois, du root, c'est indispensable. Hein. Pour faire des kills, certains kills et tout, le root, il est indispensable même si c'est qu'une seconde. Muet d'hiver augmente la portée. Donc là, on va prendre encore l'élémental. Simple, hein. Les buts, j'ai simple. Début de PV. Augmente la portée d'invocation d'élémentaire d'eau de 50%. Celui-ci reproduit désormais les capacités de base pour infliger 50% de leurs dégâts. Donc augmente la portée d'invocation. Ah ouais, donc c'est-à-dire que tu peux même invoquer de plus loin. De 50%. Celui-ci reproduit désormais les capacités de base pour infliger 50% de leurs dégâts. Ah ouais, ça veut dire que l'élémental il fait. Il envoie les spells aussi, mais je crois qu'il envoie pas le blizzard. Si, peut-être qu'il envoie un petit blizzard. C'est-à-dire que tous tes spells ils sont doublés quoi. L'élémental il envoie aussi quoi. Mais le blizzard on le voit pas vraiment partir, mais il doit y avoir un équivalent, je pense, en dégâts. C'est juste qu'on le voit pas partir, ça sera abusé. Parce que les autres on les voit partir, hein. L'éclair de vie on le voit partir, le cône aussi. Bon, on va lancer là. On va lancer Ranked, on va voir ça en Ranked. On va régler ça en Ranked, on va peut-être se faire pulvériser parce que. Après, Jaina ça a apporté beaucoup de dégâts, mais. Il y a toujours des games où ça peut être compliqué quoi. Bon, on va essayer d'expliquer ça en Ranked. Là, on a juste donné le build. Bien expliqué le build, bien lu le build. Faire un petit rappel sur le build très important. Après, comme j'ai dit, on peut pas jouer en, comment dire, en smartcast, hein, Jainite, etc. Même Muradin. Muradin bah, pourra me dire que oui, si on peut, machin. Je sais qu'il y en a plein qui le jouent en smartcast, c'est pas un souci. Muradin à l'arrière, ça serait plutôt là, mais encore. Il y a une précision des fois à avoir avec la flèche en fait, dans certains cas quand tu recules etc, des fois tu places ta flèche et tu regardes si le gars il avance, tu vois, tu as la longueur de la flèche et tu sais si ton spell il touche ou pas etc, tu vois, par rapport à la longueur de la flèche, même quand tu es loin, que tu envoies ton spell de loin, tu peux jauger, ça te fait comme un mètre, donc c'est mieux. Et puis même ça te donne un guide pour la précision et un guide pour la longueur aussi. La précision au niveau de la précision, mais aussi au niveau de la portée. Donc en smartcast, c'est mort. Donc là, ce qu'on va expliquer, c'est très important. En fait, ce qu'on va expliquer là, c'est très important, c'est que. En fait, donc là on a fait tuto Muradin, là on, maintenant on fait tuto Jaina. Faut bien comprendre que Muradin Jaina, c'est juste très 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 puissant et c'est juste la compo que moi je vous proposais pour le PV, etc. En réalité, même 2 DPS, moi j'ai bien réfléchi au truc par rapport à mon expérience de Warcraft et tout, parce que là je vous remets, retransmets l'expérience de Warcraft par rapport aussi au talent et tout ça, au gameplay que moi je connais de Warcraft, etc. Notamment des humains pour le coup. Donc ce que je vais expliquer, c'est qu'en fait je vais me rapprocher au plus des styles de gameplay que je connais en fait. Donc des humains. Donc Jaina, ok, c'est vraiment le gameplay des humains, c'est-à-dire en fait
invoquer des élémentales. Invoquer de l'élémental. Voilà, ça c'est le travail de Jaina. Après, normalement, c'est pas le qui ralentit dans Warcraft, c'est pas Jaina qui ralentit, mais. Ou ni l'archimage, parce que. Il y a un skin Jaina, mais en réalité, c'est un archimage. Ça, faut bien comprendre ça, hein, parce qu'ils ont même fait un skin Jaina sur l'archimage dans Warcraft, donc c'est pas pour rien. C'est vraiment que. Jaina, c'est vraiment. Même si c'est un héros de WoW à la base, c'est même pas un héros de Warcraft, moi souvent je dis que ça vient de Warcraft. Mais. Ça pas de Warcraft, mais le gameplay vient vraiment de base de Warcraft. Et même de WoW, tout ce qui a été inventé sur WoW, de base, ça vient de Warcraft aussi quand même. Faut bien comprendre ça. Mais. Ce qu'il faut se dire, c'est que. Parce qu'en fait, sur Warcraft, normalement, tu peux choisir jusqu'à 3 héros. Faut bien réfléchir à ça. Ça veut dire quand tu fais ta strat, tu te dis au maximum tu auras 3 héros. Après tu auras ton armée en plus. Donc avec tes 3 héros plus ton armée en plus, tu dois arriver à faire ton gameplay, le gameplay que tu as envie d'essayer de faire ou quoi que ce soit. Après selon la situation, tu peux ou ne pas faire ton gameplay exactement ou t'es obligé de t'adapter. Mais en réalité, si ton gameplay il est lourd, normalement ça passe à peu près contre. Tu peux faire des gameplays qui passent à peu près contre toutes les compos. Après tu dois juste adapter un peu des finitions. La base de ton gameplay, ça doit rester le même. Donc là, c'est compliqué parce qu'on va batailler pour le mage. Non, c'est bon, il me laisse la place. Donc, t'as le choix entre 3 héros. Ce qui veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Faut dire, par exemple, moi sur Warcraft, faut se poser les bonnes questions. Faut se dire, par exemple, moi sur Warcraft, genre, bah, je vais prendre en 1, je vais prendre l'archimage. Généralement en 2 tu prends Muradin quoi. C'est-à-dire que déjà avec Jaina donc c'est l'équivalent de l'archimage un peu. Mais je veux dire entre Jaina et Muradin, déjà ton gameplay il est quasiment fait déjà. Après tu vas rajouter des petits éléments en plus. Tu vas te dire soit tu vas faire un troisième héros éventuellement. Donc tu vas c'est même pas sur toutes les games. Ça dépend de la game comment elle évolue ou quoi mais bon. Normalement voilà après ça dépend. Ah, prends Jaina. Je suis là pour vous aider. Donc ça c'est important à comprendre. Donc déjà Jaina, Muradin et les éléments les plus importants de la compo déjà. Déjà faut bien comprendre ça. Après en troisième héros tu vas pouvoir prendre par exemple normalement c'est Uther. Tu vas pouvoir prendre un Uther sur Leur Warcraft. sang Donc va tu me peux te dire nourrir. déjà que dans la compo déjà normalement il faut un Uther. Mais le problème. Le problème, c'est que si tu veux vraiment faire le gameplay des humains sur Warcraft, il va te falloir des ships. Parce que le vrai gameplay des humains, c'est des ralentissements, des ships. Des ships, donc des contrôles et transformés en moutons, des ships. Donc qu'est-ce qui va faire ça? Il y a Louisiane et Medivh. Donc Louisiane, ça peut suffire, ça peut être bien même, je veux dire. Ça peut être bien, Louisiane. Mais Medivh, ça peut suffire, ouais, c'est plutôt ça. Après, pourquoi? Parce que. En fait, c'est une compo, je vais vous expliquer, c'est complexe. Donc, normalement, il faudrait prendre un Uther pour avoir déjà les 3 héros de base des humains. Après, normalement, les humains, ils font par exemple Falstad, etc. C'est le skin et tout, c'est le gameplay, c'est vraiment. Mes lames sont à votre service. C'est exactement les oiseaux qu'il y a sur les humains sur Warcraft. Donc, c'est vraiment ce gameplay-là. Si on veut faire des oiseaux, etc. C'est sur Warcraft, etc. C'est vraiment, on rajoute un Falstad. Nous forgerons l'histoire. On rajoute un Falstad. Mais on n'est pas obligé de rajouter un Falstad forcément. C'est que dans l'éventualité où on veut faire des oiseaux, où on a besoin des oiseaux. Et généralement, on fait les oiseaux, c'est quand on est emmerdé par la frontline en face. Si on n'est pas emmerdé par la frontline et qu'on arrive Je suis suffisamment à prêt. dominer, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à chercher des oiseaux. C'est pour ça que dans la draft que je propose, on n'est pas obligé en réalité de draft Falstad. J'ai toujours expliqué ma draft en disant toujours ouais, de toute façon Falstad est indispensable dans la draft, dans ma draft idéale des humains, etc. Mais en réalité non, il n'est pas indispensable. Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, il y a des games, ok, va falloir partir sur des oiseaux et tout ça, enfin la plupart des games même, mais voilà, il y a des games où on va pas forcément être obligé.
On va pouvoir se contenter juste d'assurer la domination par rapport à Jaina, Muradin, donc Uther déjà. Et ça y est, vous êtes prêts. Tout ce que je peux faire pour vous aider. Après, comme j'ai dit, en plus il faut du ship, donc il y aura forcément une Luisei ou un Muradin. Mais je pense on va partir sur Luisei. Pourquoi Luisei? Parce que Luisei va avoir un heal constant. Un heal constant. Et un chip constant, etc. Va avoir une grosse intelligence de jeu, etc. Donc Luisei, donc ça ferait déjà deux supports Uther Luisei. Sachant que Luisei va pouvoir faire beaucoup de dégâts quand même. Il va pouvoir rotationner sur la map, chercher des XP, etc. Faire des TP. Donc elle va pas servir que à teamfight. Elle va essayer de prendre de l'XP aussi. Il va lui son TP. Mais si on veut vraiment avoir le maximum gameplay des humains, il va manquer encore quelque chose. Il va manquer quoi? Et en fait il va manquer exactement, il va manquer la peur, le skill de la peur. Il y a un skill de la peur sur Warcraft. Et ben c'est avec les sorcières. Mais en fait ce skill là, en fait c'est une équivalence. C'est une équivalence. Mais vraiment c'est vraiment une équivalence. Et je pense que c'est volontaire de la part de Blizzard. C'est blanche tête. Même si c'est pas volontaire, en tout cas c'est un minimum volontaire je pense, ou en tout cas ça me paraît si c'est le hasard c'est vraiment dingue parce que c'est vraiment le gameplay des humains. Non, attends, mais attends, un bizarre ici là. Je peux pas trop expliquer ce que je suis au niveau de l'esprit. Une histoire là, très importante. Si tu veux gameplay, un cul spell ici. Bon on a gride un peu là. On a un peu gride, mais ça va. D'ailleurs, on sait qu'on doit faire les camps. Normalement, je prends la fontaine, je vais tout de suite vers les camps. Jaina, c'est ça. Hein. Level 2, même avant 2,5 déjà. T'es déjà en train de te dire que tu dois aller faire le camp. Parce que c'est toi qui as la mana, donc. Enfin, c'est pas toi qui as la mana, c'est toi qui as le dégât. Justement, la mana, j'en ai pas. Donc, pour finir mon histoire. Donc, ce qui manque, c'est la peur. Le skill de la peur. Donc, ce qui fait ça, c'est Blanche Tête. Le skill, le E là de Blanche Tête, en fait c'est ça, c'est un skill, ça va ralentir. En fait c'est ça, en fait faut bien comprendre, c'est que c'est un skill qui va ralentir. Donc c'est exactement pareil que la peur sur Warcraft. En plus c'est des gros stocks de ralentissement, c'est du 40%. Et c'est 3 stacks, et ça va faire du dégât, et du burst même, et ça va ralentir en plus de ça. Donc ça va être très impressionnant. Donc le mec, quand tu vas lui balancer ça avec Blanche Tête, en fait faut bien comprendre, c'est que le mec il va avoir un phénomène de peur en lui. Dès qu'il va se prendre les stacks de Blanche Tête là. Voilà tu vois, je touche avec le custer. Pour l'instant je peux rester mid lane parce que je suis quand même Jaina, c'est quand même à moi de. Même si je vais toucher pas mal. J'arrive à toucher quand même. Il grille là pour m'avoir. Voilà. Toujours un Q-spell qui part. En fait, c'est toujours avec le Q-spell. Il faut gratter des dégâts avec les Q-spell. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, là, on va rotationner sur Tsonia en bas. Hein. On va toujours regarder la minimap et toujours aller là où tu sais que l'ennemi, s'il veut s'avancer trop près du fort, on va y aller direct. Là, on va mettre un combo et s'en refiler. Mais là, je pense que je vais tomber. Ouais. Ah non, je m'en sors et j'envoie un Q-spell. Ah non, j'y retourne sans faire exprès. Ah, je m'en sors de justesse. Donc pour la petite histoire. Donc après c'est pour ça que il y aurait Blanche Tête aussi dans l'histoire. Il y aurait Blanche Tête. Alors on va finir le clip, on va poser un bizarre ici, mais je crains que. Ouais je crains que là. On soit trop affaibli, on prenne trop cher. Je pense que là, on va avoir du mal. Hein. On va peut-être pouvoir finir le clip. Hein. Mettre un Q-spell. S'il se retourne sur moi, il me tue. Hein. Il ne le sait pas. Hein. Il ne le sait pas. Et là, il prend du. Ouais, il... Bon, on a du mal. Hein. Ça, c'est une game qui va être compliquée. Donc, après, on n'est pas obligé de jouer forcément avec 3 supports. Parce que ce serait du combo avec 3 supports basés sur le PVI. Donc, basés plutôt sur l'XP, la rotation, etc. Donc, c'est vraiment le réel gameplay en fait. C'est-à-dire que. Tu vas pouvoir moins teamfight, mais tu vas pouvoir plus faire des rotations, aller chercher de l'XP, etc. Avoir une survie incroyable, etc. Dans ce style de combo. Après, tu peux remplacer.
peux remplacer avec Medivh, Lisey éventuellement peut-être. Ça dépend exactement du game. C'est parti. Tu vois, je termine ma wave tranquille. Parce que là, je sais que j'ai le temps normalement de faire ma rotation. Il n'y a pas de panique à avoir, c'est le premier demi en plus. Là, faut regarder, c'est l'XP. Hein. Pour l'instant, l'XP, on est ex-aequo, donc ça va. Même si on vient de se prendre un demi, tant qu'on est ex-aequo XP, ça passe. Tu vois, on a même de l'XP d'avance, alors qu'on vient de perdre un fort. C'est important. Ensuite, on recolle les camps. Comme un automatisme. Donc, je disais, voilà, c'est ça en gros. Donc, ce serait Jaina, Muradin, quoi qu'il arrive, c'est vraiment le plus important. Après, on peut faire des variations, hein. On peut changer de temps en temps. Des variantes, faire des variantes. Même Muradin, on peut s'en passer, mais en réalité, bof, on peut pas trop s'en passer. Quoi. Dans certains compos, ouais, on peut s'en passer, mais c'est trop. C'est pas la plupart des compos. La plupart des compos, c'est de l'avoir Muradin. Donc là, on met des cuisses. Je sais pas trop expliquer ce que je fais, ça va tellement vite. Juste que vous laissez regarder. Ah, j'ai touché un cuspel là. Ah, je touche encore là. Oh, encore un. Oh. Oh, j'ai pas touché Malganir. Ah, ça y est, il est mort, Malganir. Regarde. Et je vais aller chercher un qui se passe ici. Oh, faut être vicieux, Guillaume. Oh, oh, le qui se passe là. Oh, il a touché. Tu vois, Jaina, c'est ça. Il faut toucher le qui se passe là. Le qui se passe, il fait peur de ça. Voilà, je vais lui mettre un code. J'ai pas besoin de qui se passe là. Le qui se passe, il part ici. Voilà. Tu vois, le Q-Spell il part, en fait, dès que le Q-Spell il part, c'est sûr, en fait, le mec il a ralenti, c'est sûr. Si la grid, il va mourir, c'est sûr, quoi, s'il a trop de grid. Si il y a une rotation de ma team, on arrive à plusieurs sur lui, c'est fini, quoi. Ouais, donc c'est pour ça que je disais normalement Muradin, Jaina. Non, j'ai même pas besoin de m'écouter. Muradin, Jaina, Luisei, Uther. Et après, Blanche-Tête, la sorcière. Donc je ferai des tutos pour tout ça. J'expliquerai le gameplay. C'est un gameplay de ouf. Et j'expliquerai, mais je suis quasiment sûr que c'est une des compos à 3 supports qui marcherait vraiment bien. Ah, tu vois là je me suis avancé, j'ai grid. J'étais pas obligé parce que je savais que je pouvais me prendre des dégâts. Tu vois juste la petite erreur que j'ai avancé là, j'ai perdu 3 quarts de ma vie. Alors que j'ai avancé juste voilà, à peine quoi. Et c'est ça aussi. Donc là on va mettre l'élémental même si on va le gaspiller. C'est pas grave. C'est pas grave, on va le gaspiller. De toute façon il va m'aider quand même. Ah ouais, ok, il se fait. J'avais senti qu'il se faisait pêche mais non. De toute façon, on est sur la midline. Tant qu'on est sur la midline, on a rien à se rapprocher. La midline, c'est toujours la meilleure ligne. La plus importante. Ok, ils arrivent sur moi. Donc là, je vais reculer. Ah non, ils arrivent pas. Je peux aller chercher un Sonia hein, et tout. Hein, parce que là, ils sont avancés de ouf, ils sont greedy. Hein. Ils ont des trucs avec eux, mais là, je pense que Jaina, c'est très bon flanqueur. Par contre, je ne veux pas qu'il se retourne tout de suite, voilà, comme il a fait, il a hésité à se retourner, il aurait pas dû. Ah, je pensais toucher. Ah voilà, voilà, génial, il la régène. Il est ralenti, hein. Il a pris une charge de glace là, il a ralenti. Donc ce qui veut dire que là, je mets un bizarre derrière. Ah putain, j'ai pas réussi à le... Putain, mais vas-y, faut le chase, là, voilà. Ah, il est touché là, ah, il est touché. Ah, il est touché là. Oh, il est... Ah. Oh, c'est le bordel. C'est le bordel, faut que je te... Ah putain, j'ai pas pu... je voulais mettre sur Sonia, elle est mentale, mais le temps qu'elle était en train de tourner en plus. Enfin, pour l'instant, je marque des points là. Je déplace mon élémental, t'as vu? Je hit and run mon élémental. Hop, 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 ça fait la diff. Tu vois? Alors que j'aurais pas hit and run mon élémental, ça se trouve, on aurait pas le kill. Ah, on prend un peu cher dans les teamfights parce que le problème c'est que... Là, je sens qu'en PVP c'est compliqué, il domine. On n'a pas un PVP qui est plus grand et
a pu jouer en PV, donc c'est pour ça que le PV est très important. Très important le PV. Là, il est déjà tombé de lui. Hop, il a rien fait. Tu vois le PV avec Jaina? Même pas besoin. Alors pour l'instant, j'ai pas besoin non plus encore. Pour l'instant, le PV. Parce que Jaina, regarde, tu mets un bizarre. Hop. Normalement, t'as un bizarre s'il est vraiment bien placé. Normalement, tu prends toute la wave. Des fois, il manque un creep. Voilà, il manquait deux creeps, mais. Normalement, tu prends toute la wave, quoi. Sauf un creep. Ouais, c'est deux creeps. Mais voilà, quoi, tu prends toute la wave, quoi. En clair, tu prends toute la wave, quoi. Plus t'as d'XP, plus tu prends toute la wave, bien. Mais même quand t'as pas beaucoup d'XP, tu prends toute la wave, déjà. Tout ton tic, tes deux types de bizarre, normalement, ils touchent la wave. Donc là, je vais aller chercher un peu des. Hop, des Q-spells là. Ici. Oh non! Il était pas obligé, mais au moins il valide son kill, c'est sûr, il valide son kill. Toujours ça. Donc là, on va aller sur Lucio. Lucio et compagnie là. On va passer par derrière. On va les aggro là. On va envoyer les LM tout de suite. Hein. Les LM il part. Allez, ici il y a un Q-spell qui part là. Allez, Q-spell. Oh là là, faut mettre sur Lucio là, le Q-spell. L'élémental. L'élémental qui a switch sur Lucio. Oh là là, magnifique. Ah, les mentales, il re-switch sur sur Sonia. Oh là là, magnifique. Oh là là, ça push dans tous les sens. Voilà. Ah, Slowman. Donc immobilise, vous allez voir que immobilise, ça va être bien rentable parce que ça va me permettre de bien rentrer les combos aussi. Donc là normalement on va faire tout de suite le hard. Dès qu'il y a des points jaunes, faut toujours regarder. Normalement, les points jaunes, c'est tout le temps. Dès qu'il y a un mou, dès qu'il y a une possibilité d'aller le faire, il faut aller le faire. Là, je vais aller à l'idole parce que Jaina elle a besoin de tempo. Là, j'ai pas besoin. Il y a la rotation, elle est terminée. Là. Donc, il faut aller chercher la mana. Là aussi, souvent qu'on le peut avec Jaina. Il faut recharger toute sa mana. Faut vraiment éviter de venir avec un quart de mana ou quoi. Sauf si vraiment t'as un move où tu domines, mais sinon faut éviter, faut tout le temps chercher sa mana. Je vais toujours mettre une pluie avant de passer, hein, tu vois. Avant de chase un héros, je pose une pluie. Et après je peux chase, mais rien ne m'empêche de poser une pluie. Alors là, je peux même mettre mon élémental ici pour aller chercher le fort ici. Bah oui. Alors ici, hop, 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 regarde, hop, hop, après je le tue. Hein. Je le tue, hein. Hop, je vais attends, je vais reculer mon LM, je vais aller sur le fort. Voilà. Hop, hop, comme ça je casse le fort, tu vois, c'est important d'avancer. Ah, je bloque, je débloque le truc. Ah, il m'a touché, putain, il m'a touché, du coup il va me tuer. Attends, là il va pas me tuer, il va pas me tuer, par contre, moi je vais le tuer. Il prend... Ah, putain, mais il y a personne avec moi encore. Pourquoi ils viennent pas? Tâchons d'avancer. Il est snare là, allez, putain. Eh, je lui en ai mis des trucs, hein. Il meurt dans la foulée, mais normalement, normalement je mourrais pas. Hein. Le principe de Jaina, c'est ça, c'est que le gars, ton Q-spell est tellement long que le mec, normalement, si tu gères bien, si tu mets pas à côté, en fait, tant que tu le touches, il peut pas t'approcher. Putain, si on perd la game à cause de ce move-là, ça serait... Normalement, on domine un peu, là. Ouais. Vous voyez, on n'arrive pas à avoir les objectifs. Hein. C'est pour ça que là, les objectifs, très souvent, je vais pas forcément chercher l'objectif. Moi, je vais y aller, mais je veux dire, surtout les premiers objectifs, généralement, je joue un petit peu à fond au début et après, je commence à essayer de jouer les objectifs. Au début, je joue à fond. Attends, je vais pas lui mettre mon ulti. Je vais lui mettre juste du pop. Allez, crève, bâtard. Je vais pas niquer mon ulti pour toi. Là. Je vais l'utiliser pour Lucio. Lucio, Lucio. Il est là, Lucio. Attends, non, je vais pas le mettre ici parce que je vais le louper. Tiens, je l'ai touché là. Ouais. Hop, je lui mets pour lui. Alors, hop, hop, alors, hop. Alors, même Lucio, il va prendre. Alors, hop. Mon élève, il est parti sur Lucio. Mais... Ça devrait nous faire gagner un attends, c'est pas grave. Je vais mettre sur le truc à Zagara. Voilà. Hop, on va reculer l'élème, voilà. Je recule mon élème, voilà. Alors, regarde, je les bait avec mon élème, gros. Ah ouais, gros.
Tu vois, genre, tu sais, il veut tuer mon élème, tu vois, alors que ça lui donne pas d'XP ni rien, mais c'est tellement ça le. Il a failli mourir, quoi. Moi, ouais, j'ai pas besoin de retard, là, normalement. Bon, après, je peux avoir le fort ici. Intéressant. Parce que je pense pas qu'on aura. On va tous les tuer non plus. Ah, enfin, je recule là. Voilà, un petit bizarre là. Ici. Voilà, tu vois mon bizarre. Hop, hop. 1, 2, 1, 1. Hop, tu spell. Hop, hop. Ah, je peux pas expliquer comment je fais ça. Hop, touche de fort. Hop, j'en ai mon élève. Allez, viens maintenant. Allez, viens. Allez, viens là. Hop, hop. Ah non, je loupe quoi. Ah non, j'ai trop une merde. Ah, oh, je le tue quand même. Oh. Oh. Ah, l'ancien gueule. L'ancien il est là. Donc là on va back hein. Ah, il était fun ce move. Tu vois, c'est comme ça que faut le Jane. PV. Bon là il y a tout à faire, hein. Il y a les camps, il y a récupérer l'XP un peu ici, bon là de toute façon faut que je prenne la wave. Il y a tout à faire. Il y a même les petites boules à récupérer là-haut là, toujours hein, à faire des petites rotates. Chercher les petites boules. Bien récupérer les boules. Là je peux lancer le arm, maintenant j'ai mon LM. Dès que j'ai mon LM je peux lancer le arm, hein. Je mets derrière moi mon LM. Hop et puis ça y est il va m'aider. Hein. Je peux même faire alterner le tanking avec moi. Ah, je vais le faire tanker par exemple. Ah, je peux l'envoyer là, mais je pense que. Voilà. Ok, on est pas mal. On va aller chercher la fontaine quand même. Hein. Vous voyez, par exemple, là, on n'a pas toute la mana. Si on va chercher la fontaine, on aura toute la mana. Donc, on va le faire. On a un temps mort. C'est très important parce que là, n'importe quel joueur que je connais, il aurait été direct à la ligne. Il y en a plein, ils font ça, ils respectent pas. Quand il te manque un peu de mana, c'est bien ça. Surtout quand t'es safe, tu restes safe. Là, on est safe. Là, je peux toucher avec mon Q-spell. Sans me faire toucher. Je peux aller chercher jusqu'à le fort là-bas, là. Hop, regarde. Hop, ça tape le fort, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que s'il faut Jaina, hop, je peux pas qu'il est fort à distance. Là, je mets mon élève sur le fort. J'ai pas besoin de forcément chercher l'équipe de héros. Là, on va rentrer des dégâts sur le fort. Bon, ils ont voulu faire les kills. Mais... merde, quoi, que je finis. Bon, de toute façon, elle est close cette game. Ah, mon tuto Jaina. Ah, je recule. Hop, je crois qu'avec le bordel. Hop, pour l'instant, je crois que les. Tiens, hop, les filles là. Hop, 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 hop. Hop, je sais pas si on va pouvoir finir. Je vais plutôt essayer de faire des kills là. Hop, mon QSP a touché Sonia là. Regarde, hop là, regarde. Regarde, hop. Regarde. Je vois pas. Si tu vois pas. Voilà, c'était ça le PV, les amis. Tu vois, dès que le level 2, hop, Jaina, tout le temps, faut aller faire le easy. T'es Jaina, t'es un mage, t'es là, t'as du dégât, t'as tout. Tu peux pas te permettre d'aller faire des trucs parce que les mecs ils font les guignolos, ils font les rigolos. Et non, tu vas faire les easy, c'est tout. Ouais. Après, une fois que t'as fait ça, hop, tu fais tes rotates. Hop, tu vas aider la ligne qui a le plus besoin, etc. C'est à toi de faire ton analyse, savoir quelle équipe va avoir besoin en priorité, dans quel laps de temps et tout. Après, t'as le droit à un laps d'erreur. Hein. Parce que là, j'ai mal démarré au début de la game. Mais une fois que la game elle est lancée, après que l'élémental et tout, ça fait quand même très très mal. Bon, que dire de plus, rien. Donc j'ai expliqué. Après, donc je fais ça les tutos. Jaina Muradin pour expliquer bien bien bien. Et après on refera des tutos pour les autres. Mais déjà il faut apprendre à maîtriser bien Muradin Jaina. Parce que après en synergie comme j'ai expliqué, là je vous fais une compo jusqu'à même 3 supports je rajoute avec Muradin Jaina. Parce que Muradin Jaina, ça s'auto-suffit, c'est tellement puissant, ça s'auto-suffit. Faut juste arriver à l'XP le plus haut possible, le maximum possible en fait.
poussé dans la compo. Et pour ça, on peut même rajouter jusqu'à 3 supports. Comme ça, on va avoir une notion de presque d'invincibilité, quoi. C'est vraiment choisir à quel moment on fight ou pas, quoi. Et donc, ce sera Uther, Blanche-Tête. Et Luisei, quoi. Mais après, au pire, ouais, je pense que je ferai un tuto, des tutos pour expliquer, ou je ferai un tuto pour expliquer tout ça, je vais voir. Mais je pense que je vais faire 3 tutos pour expliquer tout ça. Bon, les amis, j'ai pas trop bien expliqué Jaina, parce que c'est mon main, j'ai l'habitude, je le joue comme ça sur des doigts, donc là, c'est pas, là, c'était facile, mais en plus, c'était une game facile. Mais très souvent, c'est pas forcément comme ça, mais Jaina a quand même bon impact et le Q-spell est très marrant parce que quand il touche, en fait, ça fait de la synergie. Ce que j'expliquais, c'est que là, les mecs, je les connais pas, mais il y a quand même une synergie. Quand mon Q-spell est touché, à chaque fois, on sait que le mec, il va mourir dans la foulée, quoi. Il y a de nombreux de mes Q-spells où quand j'ai touché, je savais que le mec, il allait mourir, quoi. C'est pour ça que je le disais à chaque fois que je touchais, quoi. Donc, c'est sur ça qu'il faut travailler, quoi. Et après, voilà, faut aller chercher le Blizzard. Vaut mieux essayer qu'il tick sur les waves de creep plutôt que de tick sur. Bah sur rien en fait, hein. Si tu mets sur un héros que tu rates, bah c'est nul, tu vois. Dans ce cas, si tu mets sur un héros que t'as qu'un seul tick, c'est bien, mais c'est pas aussi bien que si tu le mets sur une wave quand même, dans un sens. Donc si tu mets sur un héros, le mieux c'est d'avoir 2 ticks. C'est que le mec il avance bien sur toi, tu lui mets bien, il se prend 2 ticks et après il se prend un combo. Même comme ça, c'est encore pas forcément rentable, c'est même plus rentable de mettre sur une wave de creep la plupart du temps. Voilà les amis, je vous laisse réfléchir à tout ce PV Jaina. Et Jaina Muradin, c'est vraiment la base pour arriver au gameplay des humains, vraiment le gameplay le plus, pour moi je dirais le plus lourd. Le plus lourd et on expliquera pour le reste de la compo. Mais ça vraiment je vous dis c'est les deux bases. Maintenant c'est pour ça les gens quand ils vont jouer avec moi et tout, ça serait bien qu'on essaie de jouer avec ça, Muradin Jaina déjà, dans un premier temps. Juste essayer ça. Et après, on verra aussi pour des supports, faire des trucs et tout. Mais travailler sur ces deux pics là, c'est pour ça que si on joue en duo Q avec des gens, juste déjà travailler Muradin, Jaina. Après, même si ça marche pas, si on a une draft pourrie et tout, ça se trouve même plein de fois, ça va pas marcher et tout. Mais dans tous les cas, on peut s'entraîner sur cette compo quand même, même si on perd dessus. Parce que c'est toujours plus important, intéressant de faire une belle draft que de drafter à une compo bien précise. Par exemple, là, Muradin, Jaina, c'est une compo bien précise. Donc si on drafte ça, on va pas faire forcément une bonne draft. Donc on risque de perdre des games quand même. Mais ça va être intéressant quand même d'essayer ça, d'apporter cette dynamique et de s'entraîner avec ça. Et je pense que ça peut passer moi, même si une draft de merde ou avec support ou pas support. Mais dans tous les cas, on expliquera d'autres drafts possibles pour améliorer, mais pour rester un peu sur ce thème-là. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, parce que là, Jaina, en fait, c'est un peu comme Muradin. C'est basé quand Jaina a son élémental. Elle est toute puissante et quand Muradin a son avatar est tout puissant. Donc le but c'est de prendre un teamfight quand Muradin et Jaina, bah, il y en a un il a son avatar, l'autre elle a son élémental. Bah, les deux cumulés ça fait que ouais sur une prise de fight c'est hyper fort. Mais après ça dépend si les mecs tu les chases quand ils ont trop approché de ton fort, tu les chases un peu pour qu'ils reculent, ok tu les tues et tout, mais faut éviter de grid sinon ça sert à rien. Faut éviter de trop grid. Bon allez. Je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous redonne l'essor de Jaina une dernière fois. N'oubliez pas ça. Donc, hiver sans fin augmente la portée et la vitesse de déplacement d'éclairs de givre de 30%. C'est-à-dire, y compris la vitesse de déplacement de l'éclair de givre. Donc, ça permet vraiment de chase à l'infini. Mais après, faut être précis. Faut avoir l'habitude, faut être précis. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient autant de précision sur le pic de glace de Jaina. Mais après, faut s'entraîner. Parce que c'est un bon rythme. Si vous maîtrisez ça, vous allez maîtriser tout. Vous allez maîtriser les grappes de Stitch, les attaques de Chromie, tout ce qui est spell. Vous allez développer du minutie parce que des fois, il faut aller chercher des placements bien spécifiques pour être sûr que le spell il va passer à travers, qu'il allait toucher. À un moment donné, j'ai mis un Q-spell comme ça. Il y avait une wave de creep. J'ai mis un Q-spell entre les creeps. Il est passé. Tac, il est parti toucher Sonya ou je sais pas qui. Hop, et il est mort le héros. Sonya, machin. Je sais que c'était Sonya, mais il est mort le héros. Juste avec un petit truc comme ça, un petit Q-spell, ça est bien, bien précis, ça peut faire un kill. Et très souvent, quand tu joues Jaina, tu sais. C'est pour ça, s'il y a du niveau de jeu quand même, tu sais que si tu loupes un Q-spell, des fois, bah, t'auras pas ton kill. Et puis au final, ça peut changer le cours de la game. Et tu sais que t'as ça sur les épaules, donc ça peut être chaud aussi.
Donc hiver sans fin, faut de la maîtrise, un niveau de maîtrise. Et si tu fais les bons choix, les bons placements, tu verras que la maîtrise, elle sera beaucoup plus simple à avoir. Il y aura beaucoup moins besoin surtout. Augmente la portée, donc vitesse de déplacement, d'éclair de givre 30%. Après, armure de givre, glace les ennemis qui attaquent Janna en outre toutes les 10 secondes. Confère 75 points d'armure physique contre la prochaine attaque de base d'un héros. Ce qui réduit les dégâts qu'elle inflige de 75%. Donc ça veut dire dès qu'on va vous taper au corps à corps ou même à distance visiblement, et bah ça va déclencher l'armure de givre. Donc ça va vous mettre une armure et ça va vous empêcher que. Non seulement vous n'allez pas prendre de dégâts, mais en plus, ce qui est bien, c'est que justement vous allez garder votre vie. Parce que si un mage il a besoin. Il sait pas comment un tank ou quoi, il peut pas se permettre de qu'il lui manque un peu de points de vie, tu vois. Il lui manque un peu de points de vie, c'est la merde en fait. Et c'est pour ça que là, armure de JV, tout ça, c'est ça qu'il faut, c'est indispensable. Pour bien jouer, pour faire un minimum de PVP, c'est ça qu'il faut. Sinon, tu fais que du PVE toute la game, si tu comprends pas ça. Donc après, javelot de glace, frapper une cible glacée avec éclair de givre, réduit son temps de recharge de 1,5 secondes et rend 10 points de mana déjà là. Donc ça paraît indispensable, votre Q-spell quand il va partir, il va toucher une première fois, il va se recharger direct en fait. Et vous allez pouvoir le remettre. Et en plus de ça, vous allez gagner de la mana. Donc il va se recharger direct, vous allez pouvoir le mettre en constance. Ce qui fait que le mec, même si vous êtes au bout de votre pic en fait, vous allez quand même pouvoir, le fait qu'il se recharge tout de suite, vous allez pouvoir le remettre instantanément. Ce qui fait que le mec, il n'aura pas le temps ne serait-ce que d'esquiver votre spell en fait. Parce que s'il se recharge au bout de 15 secondes, 4 secondes... pour le toucher, je pense que tu peux quand même le chase, mais le problème c'est que il suffit qu'il mette une esquive ou qu'il ait un tout petit qui soit au bout de maximum de portée, il va perdre, il va gagner en portée un petit peu à chaque coup. Ça c'est ça en fait. Et au bout d'un moment, il va décider le maximum de portée, il va pouvoir désengager. Alors qu'avec ça, il va pas pouvoir désengager. Bien important à comprendre. Après, élémental d'eau, invoque un élémental d'eau à l'emplacement ciblé, ses attaques de base inflige 62 points de dégâts. Plus 25% dégâts de zone, ça c'est important parce que ça j'avais pas trop fait gaffe. Ça fait quand même des dégâts de zone, donc ça fait mal. Si tu prends une cible qui est au milieu, etc., ça fait encore plus mal, mais généralement faut prendre la cible, soit le tank ou soit la cible la plus fragile, enfin ça dépend du burst, déplacement, etc. Après c'est la connaissance du jeu qui doit vous dire à qui cibler, quand, où vous placer. Peut-être réactif parce que vous pouvez flanquer des héros par derrière grâce à l'élémental, vous pouvez flanquer des lemmings ou des cats, etc. D'ailleurs, c'est conseillé de le faire. Mais seulement si c'est possible. En dégâts zone A, parce qu'avec l'élémental, vous allez pouvoir rentrer beaucoup de dégâts. Parce que le mec, une fois qu'il se prend l'élémental, après, vous allez pouvoir mettre tout votre combo. Et normalement, en un combo, presque, vous pouvez le tuer. Voire deux combos. Peut-être réactiver pour assigner une nouvelle cible à l'élémentaire d'eau. Donc ça permet de bait aussi. Comme vous avez vu, à un moment donné, on a failli tuer Lucio. J'ai juste fait un bait avec l'élémental d'eau, comme j'avais expliqué. Donc barre de glace, gagne un bouclier équivalent à 25% des dégâts infligés aux cibles glacées. Bouclier dure 4 secondes. Donc c'est pareil, ça va redonner de la survie. Donc faut pas oublier, c'est simple hein, à se rappeler hein, le build. Hein. Et après, engourdissement, cône de froid, immobilise les cibles glacées pendant une seconde. Donc immobilisation totale pendant une seconde. Juste ça suffit, y a pas besoin de grid à prendre un autre truc. Ça c'est vraiment basé sur la synergie d'équipe. Après vous, ça peut vous aider à faire un kill, mais c'est vraiment à votre team, ça va l'aider de ouf à faire un kill. Et c'est trop bien, c'est juste trop ça qu'il faut. En fait. Et muet d'hiver augmente la portée d'invocation d'élémentaire d'eau. Donc la portée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi le déposer plus loin. Portée d'invocation. Et celui-ci reproduit les capacités de base. Donc vous savez, il va être beaucoup plus fort en fait. Mais vous voyez... La portée d'invocation, c'est pas pour rien, s'ils mettent ça, c'est que c'est très important de bien choisir comment et quand, avec quel placement poser son élémental d'eau pour une prise de fight ou quoi. C'est important d'arriver à poser son élémental direct et de commencer le team fight. Alors qu'il y a des fois où on est tenté d'arriver à mettre un combo et seulement après mettre l'élémental pour essayer d'un jeu. Mais moi, je pars du principe, c'est souvent, la plupart du temps, c'est mieux de mettre ce combo directement dans d'entrée de fight. Comme ça tout de suite, ça met la pression tout de suite et après on voit ce qui se passe. Mais ça dépend, après faut voir, faut l'expérience du jeu. Bon voilà les amis, tuto Jaina. C'était Sloman. Donc voilà. Bon, on fera sûrement deux tutos, je vais voir. Et voilà. Donc ça c'est pour tout le monde, tous ceux qui voudront, soit Jaina, soit Muradin, jouer avec moi, etc. Voilà, j'expliquais bien les buts, le gameplay et tout.
Après, si vous comprenez pas, vous allez tout en grid, pousser avec vous avez pas de mana ou je sais pas quoi, vous mélangez tout. Non. C'est soit vous avez pas de mana, soit vous faites pas les camps de mercenaires, ou soit vous faites pas les bonnes rotations, ou soit frère, vous allez à 4 sur un easy, frère. Arrêtez vos conneries, frère. Donc voilà. Maintenant, je vous dis PvE, c'est comme ça. Il y en a un. Il est là, il se dit ok, une rotation à faire. Le premier qui y pense, le premier qui y va, c'est tout. Il n'y a pas de ah, mais moi, c'est pas moi, je suis lui, je suis le tank ou je sais pas quoi. Même si personne y va, lui, il y va, tant pis. C'est comme ça, tout le monde doit pouvoir faire rotation. C'est pas grave, si tout le monde joue bien cet état d'esprit PV, peu importe qui fait la rotation, c'est pas grave. Le truc, c'est que ceux qui font la rotation, c'est bien qu'ils jouent les builds PV parce que, en fait, c'est ça, c'est moi pourquoi je vous donne des builds PV, c'est que s'il y a des rotations à faire, etc. C'est des rotations PV, etc. C'est tout le monde peut faire des rotations PV. C'est pas le mec qui va avoir que des talents PVP. Il va arriver sur une wave de creep, il va mettre 2 heures à la faire. Ou il va faire un camp de mercenaires, et il va pas faire de dégâts sur le camp de mercenaires. Ou des trucs comme ça, il va faire des dégâts que sur les héros. Donc moi je vous donne des builds PV. C'est des builds qui sont équilibrés pour faire aussi bien PV que PVP, etc. C'est pas forcément extrêmement PV. C'est un équilibre des deux par rapport au PV. Donc voilà, je vous dis ça. Donc, bah. Smartcast, c'est pas très bon, hein, même pour Muradin, comme je l'expliquais, ni pour Jaina, ni pour Muradin, etc. Faudrait essayer de jouer sans Smartcast. Et si on a qui sont pas à l'aise et tout, on fera gagner des Tartarus. Et si on a des Tartarus à vendre, comme ça, là, des Tartarus, j'en avais commandé là d'occasion sur le bon coin. Là, j'en ai deux là. Je ferai un bon prix, que le prix que j'ai acheté. Ou je ferai gagner, ou j'en offrirai peut-être, ou on verra selon le PV comment ça se passe. Pour l'instant, on verra. Mais si pour tac tac, parce que ceux qui veulent trop faire, ils veulent pas faire bien tac, ça comme ça, y a pas besoin de. Si vous avez un Tartarus, vous inquiétez pas, vous allez pas, vous allez vite vous y habituer. Bon allez, à bientôt pour un nouveau tuto.